Bienvenue sur T'Éternel, ce mercredi 29, c'était en dos. J'ai raté mon film du matin parce que la batterie ne tient plus la charge. Si ça, on est le 29, partant 22h37. Bon, ça, faut pas toucher. Si c'est pas trop. Voilà. Donc, nous sommes bien ce mercredi 29 décembre. Novembre, dernier jour, dernier mercredi de novembre, et ça s'accorde en do. Oh oh oh, ça me gratte le dos à la sortie du disque mou. Pour l'instant, je ne dis rien. Je voulais simplement vous signaler que mes potines, ils sont toujours là. Pourtant, ils sont partis aujourd'hui, j'ai ouvert la fenêtre et tout. Et c'est pas, ils rentrent le soir. Alors, et j'aurais pas de prénom. Je sais pas qui c'est le mâle ou qui c'est la femelle. Tu vois? Oui, ça doit être le mal, mais c'est bec de traviole. Alors je me demande si c'est déjà Bowie que j'ai repeint une fois. Bon, j'ai le ciseau, hein. J'ai dit, toi, je vais te couper le bec. Enfin, je vais le couper. Le problème, c'est que ça saigne du nez, malgré tout. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? C'est le journal du soir, mais je récupère toute ma journée. J'avais réussi à faire des photocopies. Aujourd'hui, c'était grand luxe. Alors ça, tu vois, c'est là, je suis branché sur le socle. Donc, je tourne le truc, parce que je vois pas ce que je filme. C'est l'histoire du petit garçon qui a encore des branches et tout, il va à l'école et c'est que des bouts de bois, une hache et... 2 fois 2 égale 4. Donc, bon. C'est pas méchant, mais le concept, l'idée, putain, ça me botte. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on avait? Ça, je vais faire une campagne, j'en ai imprimé 10. Celle-là, j'en ai imprimé 5. C'est l'histoire des pharmacies que j'ai tout le temps. J'ai mis les drogons la moitié de la population. Le mec en deux, il dit, j'ai une meilleure idée. Faisons que tout le monde nous paie pour ces drogues. Le mec, il dit, pouf, j'ai la meilleure idée. Appelons ça le médicament, voilà. C'est pour ça quand j'ai toujours... Un médicament vrai au lieu d'un médicament, un gouverne vrai au lieu d'un gouvernement, enfin tous les trucs comme ça, ça y est, c'est encore bougé. Tu vois? Un parlement vrai au lieu d'un parlement, un parle vrai, un discerne vrai, tous les trucs en vrai. Sinon, vous faites que de la merde sur Terre. Vous avez vendu vos âmes au pognon. Cela dit, hier, c'était un beau ciel, mon mardi. Là, c'était... pas un trop mal mercredi, c'est juste Tata qui m'a fait chier, comme d'hab. Bon. Pas grave, hein. Du coup, j'ai pas mangé. Et le troisième élément, le quatrième éléphant, aujourd'hui, c'était grand luxe. Alors, j'ai pris un canard enchaîné. Oh, dis donc. Gentil, hein. Solaire de rien, c'est reparti pour 5 ans, le polyphosphate, je sais pas quoi. Non, le truc, c'est pas mal. J'ai pas tout lu encore. Hein. C'est pas grave. Tout ça pour dire que le mercredi, c'est en dos. Alors, derrière le disque mou, comme ça, ça me gratte le début du dos. C'est dans le disque mou. Tu ne comprends rien non plus. Je crois que l'homme, il a inventé quoi, toi? Ouais, les Sumériens, les Babyloniens, les machins, tout ça, j'en ai absolument rien à foutre. Mon groupe s'appelait Eya. Justement, j'ai appelé Fifi ce soir, enfin, j'ai envoyé un texto. Eya, ça. C'est pas Yavé, c'est Eya, ça. J'en ai à foutre que c'est les extraterrestres qui ont envoyé les composants numériques. Roswell, tout ça. Enfin, j'en ai pas rien à foutre, mais. Je comprenais rien, de toute façon. Moi, je dois rassembler les troupeaux. Je dois rassembler les brebis. En plus, c'est marqué dans le papier de l'église. Attends, il me le manque. C'est marqué dans le papier de l'église. Il doit être par là. Tchou, 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 tchou. Oh lolo, oh lolo.
poète. Justement, Alex, hier, il m'a envoyé un truc. C'était pas mal. Là, je suis tombé sur un truc. C'était pas mal non plus. Je crois que ça m'emmerde. De toute façon, je supporte plus rien. Le Cinaranon et mon berger, bon, ça, je connais, dans la Milanaire. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, mais c'est moi qui le ferai le reposer, qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Putain, ça fait chier ce bouton de merde, hein. Oh, tu le tiens par le soc, tu le tiens, enfin bref. J'en étais pas là. La brebis perdue, je la chercherai. Comme ça. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai les forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur. Voici ce que veut jouer entre brebis et brebis et bélier et les boucs. Ah ouais. Ézéchiel, c'est ce qu'il m'a envoyé Alex. Bon, je suis complètement tout à fait d'accord avec cette planète, c'est un monde d'enculés, c'est des reptiliens de merde. 13e constellation, c'est le serpent, serpentaire. Moi, je viens de la 14e. Du 14e arrondissement, c'est la baleine, les machins comme ça. C'est quand même, c'est costaud. Hein. Et le jour où j'avais dit les cétacés m'ont dit cétacés, il y a 150 baleines qui sont suicidées. Alors, me faites pas chier. Hein. Moi, les reptiliens de mes couilles, j'en ai rien à foutre. Hein. Macron en boîte, ce Rothschild, là, le Donald Trump à coup de boule. Qu'est-ce que c'est que ces enculés d'oligarchie, de PD de merde, de milliardaires qui viennent me casser les couilles? Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Putain, je suis pas redescendu sur terre, hein, je sais pas, 2010 ans plus tard, parce qu'en fait, le calendrier grégorien, il est faux. Bon, 2007 ans à peu près, on va dire, comme ça. J'ai expliqué hier au yoga et puis à la sophrologie. Ben avant, on était des apôtres, maintenant, des astropotes en géométrie, à géométrie variable dans l'espace-temps. Voilà ce que ça veut dire, pas compliqué. Il y a que les débiles qui peuvent pas comprendre, ou je sais pas, ceux qui bloquent BHL TV toute la journée. Enfin. Mais si t'enlèves les gosses et les vieux. C'est vraiment des chaînes de merde, c'est vraiment pour débiles mentaux, pour attarder, quoi. Bon, ça occupe les vieux, ou... Bon, les jeunes, ils préfèrent les dessins animés. Hein. Mais c'est de la merde, vous faites de la merde, c'est tout pour vendre. Vous vendez vos âmes. Putain, je dirais pas des fils de pute à tout le monde, mais pas loin. Pas content, putain, Chris de Nice, merde, il vous emmerde, en fait. Hein. Enfin, il est pas là pour ça, mais... Je dois rédempter, il n'y a personne au portillon. Là, on est en plein, je sais pas, pandémonium. Apocalypse 17. Voilà. On va passer en 18. Non, je suis pas d'accord, Non, au nouvel ordre mondial de fils de pute. Voilà. Reptilien de mes couilles. En bois de sauce Rothschild, c'est très bien le Macron.